à cette manifestation, pour ce rassemblement devant la Commission européenne à l'occasion de la Journée internationale pour les prisonniers palestiniens. Cette journée s'inscrit dans une série de manifestations aujourd'hui ou dimanche dans différentes villes européennes comme à Dublin dimanche prochain. Merci à toutes les organisations qui ont répondu à l'appel et en particulier à l'ISM, the International Solidarity Movement, sa section Gaza et France, vous vous souvenez de Rachel Corrie, cette organisation ISM Gaza et France qui ont signé notre appel et nos pensées vont maintenant, aujourd'hui, à leurs collaborateurs Vittorio Arrigoni et sa famille. Vittorio qui vient d'être assassiné à Gaza et nous disons aujourd'hui qu'il est présent parmi nous et j'espère que vous répétiez après moi Vittorio presente. Vittorio presente. Vittorio presente. 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 Un merci particulier à tous nos amis venus de l'étranger pour nous rejoindre, comme Marek et Nawal des Pays-Bas. Quelques organisations participantes à ce rassemblement vont vous lire une petite déclaration qui va vous donner une image de ce que signifie la souffrance et la résistance des prisonniers palestiniens dans les geôles israéliens. Merci pour votre respect de les écouter, parce que tout le monde va parler dans sa propre langue. Personnellement, je tiens à vous dire deux choses. D'abord, c'est à partir de Bruxelles, capitale d'une Europe, que nous saluons tous les prisonniers palestiniens, hommes, femmes, enfants, toutes tendances politiques et religieuses confondues, ainsi que leurs familles, et nous leur disons, vous n'êtes pas oubliés, vous ne le seriez jamais, on pense à vous, on est ici avec vos photos pour montrer à l'Europe, à cette commission là-bas, vos visages souvent inconnus, pour montrer qui sont ces personnes en détention qui souffrent et qui luttent jour après jour dans les prisons et les centres de détention israéliens. Nous pourrions dire plein de choses sur la collaboration de l'Europe avec cet état d'apartheid qu'est Israël, mais je tiens à mentionner juste un point. En mettant toute la résistance palestinienne sur sa liste européenne des organisations terroristes, l'Europe est directement et indirectement complice et impliquée dans l'incarcération de milliers de Palestiniens. Et deuxièmement, je tiens à vous dire qu'avant-hier, une délégation de notre action a été reçue au Parlement européen par Bart Staes, membre du Parlement européen. Il nous transmet sa solidarité et il s'est engagé à obtenir deux choses. D'abord, qu'il y ait une interpellation au Parlement européen au sujet des prisonniers palestiniens et deux, qu'on allait proposer aux deux délégations d'europarlementaires qui vont visiter la Palestine le 26 jusqu'au 29 avril et Israël du 22 au 25 mai de faire une visite d'inspection et d'observation dans une des trois prisons pour femmes. Je vous demande d'écrire aux parlementaires qui feront partie de ces délégations et de nous tenir au courant et d'en faire une action commune. Mais voilà, mes amis, vous trouveriez ici un calendrier spécial pour les prisonniers palestiniens, c'est un calendrier
toujours là pour l'année, c'est le 2011, et une écharpe palestinienne qu'on vend au prix de 5 euros. Deuxièmement, je tiens à vous demander que tout le monde ici présent porte une de ces photos, pour que on montre le visage de ces prisonniers à tous les passants, à la commission, aux médias. Libérez les prisonniers palestiniens, libérez les enfants, libérez les femmes, non à l'enfermement, oui à la résistance. It's quite obvious what criminals use illegal weapons like white phosphorus. Burns your flesh to the bone, and if you happen to live, you'll be left infected with cancer. You curse the fact that you did. Forgive me if I wish the same fate on those Israelis responsible for killing all those innocent little babies. I studied the Torah and learned by their own admission Israel's actions are not kosher in their own religion. بطلع حوالي فيش حياة أخذوا أرضي من تحت شي أعطوني معاناة كنا نحمل طرية نترزى من الله خلونا نحمل بندقية نتوكل على الله مجزرة مذبحة الكل شاف على الشاشات مش اليوم مش ضفة مش غزة معا بالصفحات التاريخ شوف المسيح وشوف أكتر من 60 عام دق الأجساد في فلسطين. The devil's got an unholy plan for the holy land. So I hold my Quran, culture power in the other hand. Damn. No oasis, just blood stained sand. Settlements setting up to eliminate child, woman and man. No such thing as the Middle East, prophet ain't deceiving you. الشعب العربي وحدتنا عمود الثغري لازم نتعلم كيف نفكر لازم نتعلم كيف نودي رسالة بدون ما نسكر ابواب الايمان يا سيدي ما كنتش عرفت خيري لو ما جربت غيري فخد كلامي تجربي مش اهاني لازم نقطع راس الوحش عشان يضيع طريقه واخرته تنكشف